Bonjour. Je vais collecter TikTok et puis je vais lancer. Bonjour Paul. Allez, sois bonjour. Merci pour les cœurs. Bonjour Adara. Bonjour, Yamba, bonjour. Je suis en forme. Bonjour, Cosello. Qu'est-ce que tu fais sur TikTok le matin? Good morning, merci. Donc, ce que je vais partager avec vous, ça s'adresse plus à ceux qui ont un appel. Mais vous avez rencontré beaucoup d'adversité. Vous avez rencontré beaucoup d'adversité. L'environnement ne vous a pas été favorable. Tout. L'argent même. Tu investis ton argent à chaque fois, ça part. Et là, vous êtes déjà découragé. Je vous ai parlé du livre intitulé L'effet cumulé, Darren Hardy. Je sais pas si vous êtes parti le regarder. Qui est parti chercher le livre là? Je vous ai parlé de ça l'autre jour. Tu manges le sangha, hein? Bon sangha. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça fait partie de ce que je vais dire aujourd'hui d'ailleurs. Beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression que le monde est contre vous. Vous avez l'impression que peu importe ce que vous faites, il y a toujours une force qui est contre vous. Merci, monsieur Ndé. Vous avez l'impression que malgré tout ce que vous faites, vous êtes monté 10 fois, vous êtes tombé 10 fois. Chaque jour qu'on se lève là, chaque jour que tu vois le soleil se lever là, Dieu te donne une nouvelle opportunité pour que tu retraces tes plans. Ton ex n'était pas censé être dans tes plans. Tu as forcé, tu l'as inséré. Il t'a prouvé qu'il ne mérite pas d'être dans tes plans. Est-ce que tu vas arrêter ta course parce que le monsieur est parti? Est-ce que
beaucoup d'entre vous, vous vivez sur ce qu'on vous a fait il y a cela 5 ans. Et ça vous bloque. Vous ne savez pas que c'était même vous qui étiez le moteur de cet homme. C'est toi qui étais son énergie. Te voilà. Ça fait 5 ans que tu es toujours sur ça. Et vous savez, il y a quelque chose que j'ai remarqué avec l'environnement, hein? Les amis. Amis, famille, tout ça. Pour ne pas avoir des problèmes avec toi, ils vont rarement te dire la vérité. Ils vont rarement te mettre en face et te dire, tu sais que tu aurais dû faire ça. Ce qui fait que vous êtes entourés, je ne vais pas les appeler les hypocrites. C'est pour ça que vous devez apprendre à payer. Payer, c'est un thérapeute au payer. C'est un coach au payer. C'est un conseiller au payer. Parce que si tu attends que les gens de ton environnement te parlent pour te sortir de là où tu es, tu vas attendre longtemps. Merci Christian. T'as poté le direct alors. C'est comme ça qu'une fois de plus, tu te retrouves en train de dormir sur le canapé de quelqu'un. Tu te retrouves dans un trou. Ton moral est à terre. Personne ne vient te dire la vérité. Merci, merci pour le parfum, coach Selo. Je vais mettre le parfum là sur moi aujourd'hui. Personne ne vient te regarder en face te dire que ma chérie, est-ce que tu sais que tu es une reine? Est-ce que tu sais que comme tu as essayé la 10e fois là, c'est la 12e fois que ça va donner. Lève-toi encore. Lève-toi. Te voilà. Te voilà. Tu attends. Ta première arme, ce sera ton mental. Écoute-moi bien. Ta première arme pour changer, c'est ton mental. Parce que quand ton mental se lève, c'est une question de temps pour que ton corps suive. C'est pour ça que tu mets ton livre audio la nuit. 3 heures, quand tout le monde a te dormi. C'est à ce moment-là que ton esprit est éveillé. Tu écoutes. Tu écoutes. Tu visualises. Tu planifies. Tu te ressaisis. Tu refais tes plans. Tu traces. Tu vois. Parce que quand tu tombes, c'est facile. Bonjour, bonjour. C'est facile d'être devant la télé pendant 3 heures par jour. Est-ce que je me suis rendu compte que les matchs de la Coupe du Monde... J'ai regardé un match de la Coupe du Monde l'autre jour. J'ai regardé le match de... Il y a un pays là. Ça m'a pris 3 heures de temps, hein. J'ai dit, mais c'est, I cannot do this. I cannot do this. Me. Ah. 3 heures. Yeah, c'est le match de l'Argentine. Il dit qu'en 3 heures de temps, j'ai écouté la moitié d'un livre audio. La moitié d'un livre. J'ai un macaque, ma plan dans ma tête. Et vous savez qu'ils sont battus aux prolongations. Ça fait 90 minutes plus 30 minutes. 120 minutes. C'est ça. Oui, 120. Après, on ajoute encore les tirs au but. Sans compter le stress émotionnel. Sans compter comment ton cœur monte, ça descend, ça fait ceci, ça fait cela. Quand tu connais là où tu pars,
Tu dois ajuster ton passe-temps. Je dis encore, tout commence dans la tête. Tout. Peut-être actuellement, tu dors même chez quelqu'un, tu n'as même pas l'argent pour le loyer. Commence là où tu es. Commence à voir dans ta tête comment tu vas encore te relever. L'année passée, tu avais la voiture. Depuis 6 mois, tu n'as plus la voiture. Replanifie encore. Vois comment tu vas encore acheter la voiture. Vois comment tu vas avancer. Tout commence dans ta tête. Tout commence dans ta tête. ...2023 qui est en train d'arriver ici là. Ne crois pas que c'est un homme qui va venir changer ta vie. Hein. Je vous ai dit que je ne fais pas partie des femmes qui vont vous donner les vidéos pour dire wow, il faut que tu cherches un homme qui va te donner l'argent. Il faut que... Non. Bonjour Elise, bonjour Claude, Carole, bonjour Vanessa, bonjour Rolfi, bonjour Babine. Je veux que tu comprennes que ce que tu as appris, les 10 fois où tu es tombé, les 5 fois où tu es tombé, c'est encore dans ta tête. C'est encore dans ta tête. C'est dans ton corps. Merci. L-A-R. Tu vois comme pendant 3 ans, tu avais lancé ton business de restauration. Tu te levais à 4h30 chaque matin. Tu préparais, tu faisais, tu donnais aux clients, tu faisais. Après, il y a un incendie qui est venu, ça a ravagé tout ton magasin. Tu es tombé, tu as dit, c'est bon, je ne fais plus. La force de te lever à 4h30, là, c'est encore dans toi. Hein. Pendant 3 ans, tu as fait le business avec ton ex. Tu travaillais, c'est lui qui gardait l'argent. Tu étais bête encore à l'époque, non? Tu travailles, c'est lui qui gardait la jungle. Les choses qu'on ne fait pas, mais tu faisais. Te voilà. Oui, tu peux faire le bain quand tu es enceinte. Tu travailles, pom, 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 pom. Tu vends, tu vends. Tu sors, tu peux attaquer un château rouge. Tu attaques, tu vends les choses, tu vends, tu vends. Tu achètes les cabas au pays. On t'envoie, tu vends. Tu vends les greffes, tu vends. Tout le bénéfice que tu portais, tu lui donnais. Un beau matin, tu demandes que bébé... On a déjà économisé combien, bébé? Il te dit, oh, j'ai eu un problème qui est sorti le mois passé. Il ne t'a même pas dit. J'ai pris 8000 euros sur ça, j'ai mis. Et tu dis, il reste combien alors dedans? Il dit, il reste 500 euros. Voilà. Tu as une fois fait la dépression, tu es tombé. Tu as failli avoir l'arrêt cardiaque. La chute peut venir de plusieurs façons. Tout ce que je connais, c'est que le résultat, c'est la chute. Le résultat, c'est que tu es tombé. Sadelia, ne te lave pas avec le sel, tu as compris? Que ça enlève les choses. Ne te lave pas avec... Tu as compris, maman? Si c'est ta copine qui t'a dit que tu es sceptique, ne te lave pas. Tu as compris, mamie? Voilà. C'est bon, non? Vous devez faire le Thomas ici. Ne te lave même pas avec le pipi, mamie. Moi, je vous ai dit que si tu as un niveau où on a encore te supplier pour que tu fasses ta chose, hein, tu n'es pas encore arrivé. You're not there yet. Si on a te supplier pour que tu te lèves à 4h30 ou à 5h, si on a te supplier pour que je te lève pour aller vendre tes choses, on a te supplier pour que je te lève pour écouter un livre qui va t'aider. Ma chérie, lis vite. Laisse. Tu as compris? Ne fais pas. Ok. Ah. La fête, c'est une place. Oh. C'est une place. Va encore un peu souffrir, ma chérie. Souffre un peu encore. Juste un peu. Un petit 6 ans là, c'est bon. Tu as compris? Voilà. Devenez conscient.
on a grandi. Les Africains, généralement, ont une façon de perdre le temps là que je ne comprends pas. L'Africain connaît tuer le temps. Il se lève le matin comme ça. Voilà, dimanche, tu n'as rien à faire. Hein? Tu n'as aucun plan pour ta vie. Oh, Jesus. Te voilà. Tu es sur TikTok, tu vas fêter jusqu'à 10 heures. Bon, il est 8 heures, tu vas traîner un peu sur TikTok jusqu'à 10 heures. Vers 10 heures, tu vas aller chercher un peu d'œuf là, tu vas faire frire, tu vas manger avec le pain. Après, tu vas attendre le match. Ah, le match, c'est même à quelle heure? Oh, il n'y a pas de match aujourd'hui. D'accord, tu vas un peu traîner, après, tu peux regarder les films le soir. Après, tu. Hmm? Dadio, où c'est Boudouin? Tu n'es pas dans mon débat d'aujourd'hui. Tu dis pourquoi utiliser la Bible lorsque nous savons qu'elle a été introduite en Afrique. Tu es totalement hors sujet. Vraiment. Je ne vais même pas te répondre. Tu as compris? Je vous dis encore que je ne cherche pas les followers. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Je ne cherche pas les followers. Je ne rentre pas dans les débats qui ne me rapportent rien. Vous suivez? Dans la vie, vous devez être objectif. Tu te lèves, tu connais là où tu pars. Quelqu'un vient comme à dire que oh, souvent tu vas voir les Camerounais qui s'assoient pour discuter, non? Eh ouais. Non, je t'avais dit que non. Et toi, fais comme ça là. Et toi ne te connaît pas. Et toi ne va jamais te connaître. La discussion où tu mets tes organes, tu mets tes une heure de temps là, ça ne va t'amener rien du tout. Mais tu es dedans. Non, la Bible, tu sais, la Bible n'a pas été apportée, c'est là par les blancs. Non, tu rentres déjà discuter avec toi, ça m'a apporté quoi? Hmm? Ça m'a apporté quoi? Tu es déjà convaincu de ta part, donc je ne veux pas te convaincre. Apprenez à savoir ce que vous voulez. Les gens, même si les gens vous disent que vous les utilisez, oui. Le jour où quelqu'un m'a qualifié de narcissique, je suis resté, je me suis dit, hey, peut-être que je suis narcissique, hein? Oui. Tu commences à te focaliser sur toi. Depuis que tu fais des choses pour les gens, qui t'a déjà, qui est venu dire que ouais, ça fait 5 ans que tu aides les gens. Ça fait 5 ans que tu passes ton temps dans les problèmes des gens. Bon, je suis aussi venu pour voir de quoi tu as besoin. Jamais. Beignet Hortense, si vous voulez vous faire anaquer sur ma page, laissez, on vient, on vous anaque. J'ai mis les numéros officiels sur la page. Donc, quand quelqu'un m'écrit, me dit qu'on m'a envoyé la demande d'amis, je ne vous enverrai pas la demande d'amis. Je suis trop occupée. Je vous hein? La personne dit, ma chérie, on m'a fait les captures d'écran de des conversations avec la dame. Ma chérie, j'ai vu quelque chose sur toi. Je dois te dire, il faut que je travaille d'abord. Moi, vous ne m'écoutez pas souvent. Moi. Jusqu'à prendre mon temps. Parmi tous les 20, combien de... J'ai 27 000... Like, pour les followers, vous avez 150 000 followers. TikTok, 150 000 followers. Je laisse ça, je prends mon temps, je viens te chercher pour 25 000. Il dit que j'ai vu quelque chose sur toi. Après, il te dit que je vis au Burkina, hein. Que je suis camerounaise, mais je suis au Burkina en mission. Te voilà. Jusqu'à tu me crois, tu envoies. Et le nom est bizarre, un faux nom bizarre comme ça, là. Tout ce que vous faites, faites-le de façon claire. Est-ce que l'énergie que je vais mettre ici, ça va me rapporter quelque chose? Comme je suis en train de me mettre ici, ça va me donner quoi? C'est pour ça que vous voyez sur le blanc, il y a la partie du bénévolat. Il y a les charities. S'il a son argent qu'il veut donner par mois, il part, il cherche seulement. Il cherche ce qui l'intéresse. Il dit, ok, je vais donner parce qu'on va creuser les puits en Afrique. Il paye, il donne là-bas. L'affaire qu'on dit que tu vas donner à la famille, pourquoi on t'insulte, bizarre là. Non, ce n'est pas la force. Il sait que comme il a donné aux orphelins en Afrique, il ne s'attend pas à ce que l'orphelin l'appelle au téléphone pour dire merci tonton. Mais il sait qu'il a fait sa part. Donc apprenez à ordonner vos choses. Apprenez à ordonner vos choses. Ça fait peut-être 3 heures de temps que vous êtes debout.
Beaucoup d'entre vous, en vous couchant, vous ne savez même pas ce que vous avez fait le lendemain matin. Vous n'avez pas de plan. Vous n'avez pas de projet. Vous n'avez rien sur quoi vous êtes en train de travailler. Quand j'ai mis le début de cette vidéo, vous avez entendu un monsieur qui passait, c'est là, il vendait le savon. Il criait, que savon Moringa, savon Moringa. Quand il a dormi hier soir, il savait qu'à 6 heures, je me lève, je pars courir toutes les rues de Libreville pour dire que savon Moringa. Peut-être en rentrant aujourd'hui, j'aurais même mes 15 000 que j'aurais vendu ou 20 000. Observez que toute partie de votre temps que vous ne planifiez pas, vous allez finir par ne rien faire avec ce temps-là. Il y en a parmi vous, vous avez des livres que vous devez écrire depuis. Tu n'as jamais trouvé le temps. Jamais trouvé le temps pour vous asseoir et dire, oh non, le livre que Dieu a mis en moi. Certains parmi vous, vous avez des histoires qui sont très, très, très impactantes. Vous avez une histoire vraiment, tu as survécu à un mariage où on te tapait dessus. Tu as traversé le désert pour arriver en Europe. Tu as passé 2 ans en route. Tu as traversé les barrières, les chiens ont failli te mordre. Tu as vu les gens mourir dans le désert à côté de toi. Après, tu es entré en Espagne, tu es quitté de l'Espagne, tu as traversé, tu es parti, je ne sais pas où. Après, tu es arrivé en Angleterre. Et voilà, aujourd'hui, tu es déjà installé, tu as fait ta formation, tu es venu infirmière. Tu as une histoire que si tu racontes aux autres, ça va les inspirer. Mais tu es sur TikTok chaque matin, tu flippes seulement comme ça, là, tu ne fais rien. Chaque fois qu'on parle de ça, tu dis, ah oui, je dois écrire un livre, c'est vrai. Mais, allons d'abord un peu sur TikTok. Écoutez, hein, votre temps, la vie est en train de passer, hein, c'est en train de passer, ne vous dérangez pas. Dieu t'a donné 24 heures, Dieu m'a donné 24 heures. Bill Gates a 24 heures. Mark Zuckerberg a 24 heures. Jeff Bezos a 24 heures. Et même si au départ, tu es entouré des gens qui ne tiennent pas compte de leur temps, comment c'est dans ta tête? Peu importe là où tu dors, même en prison, je suis sûr que tu vas te trouver à 3 heures en prison, on ne va pas t'empêcher. Tu demandes en prison qu'on te donne le papier pour écrire. On donne le papier, le big, je ne crois pas qu'ils vont refuser. Donc parfois on a des excuses. Et le truc c'est que j'ai parfois été à côté des personnes qui sont très disciplinées. Quand j'arrive à côté des personnes là, j'ai même honte. Tu vois, quelqu'un te dit, voilà, je mange pas ce genre de nourriture. À partir de 18h, je mange plus. Tu viens avec la nourriture à 19h. Tu dis, ouais, mange un peu, non. Ouais, prends un peu la pizza, non. Il dit, non, je mange pas. Il dit, 20h, je suis couché parce que l'homme va à 4h pour faire ça, ça, ça. Tu dis, on vient voir un film à 21h, non. Il dit, non. 4h, il est debout. Il part, il fait son jogging. Pap, il tic. Après, il revient. Il apprête son truc. Il dit, mais, tu vois, la personne est tellement ordonnée. Ça existe. Parce qu'on a toujours ce truc en nous là qui est un peu loose. C'est-à-dire, on n'est pas ferme. On n'est pas radical. L'Africain, généralement, n'a pas de principe. Non, non, non. Tu as ta femme, tu es bien. Une autre femme vient, commence à te draguer. Il dit, mais un peu, une femme vient comme ça là, je sais qui vous dit non. Une autre personne m'a dit non. Non. Si je trompe ma femme, ce n'est pas, c'est moi-même, c'est mon corps que je suis en train de défaire. Défaire en français, ça veut me dire quoi? De salir. C'est ma conscience que je suis en train de salir. Mais l'Africain va se dire non. Il va porter, il va dire, mais attends, viens ma chérie. Puis il rentre à la maison, il fait comme si de rien n'était. Tu vas rencontrer un homme, peut-être tu avais commencé un business, tu as commencé une page où tu motives les gens en ligne. Après, quand tu commences, le gars, tu dis au gars que non, je fais la motivation, mon rêve c'est d'être une grande coach, je fais ceci. Il dit bien oui, 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 oui. Après, tu as prévu que tous les matins, peut-être, ou bien 3 fois la semaine, de telle heure à telle heure, tu vas faire les vidéos, tu vas mettre en ligne, tu vas faire le direct. Après, tu dis chérie, oh, viens te coucher encore un peu, non. Oh, viens, non. Oh, viens, oh,
il prend le téléphone, il dépose. Donc voilà, tu le regardes, tu regardes le téléphone. Tu le regardes, tu regardes le téléphone. Tu déposes le téléphone. Le caractère n'est pas solide. Tu as peut-être décidé que tu vas faire ton lavage au sel tous les soirs avant de dormir. Tu coucou, tu coucou, tu peux pas dire à ton gars. Comme tu es bête là. Au départ, tu dis, hein, bébé, on fait. Premier jour, il fait pour te faire plaisir. Troisième jour, il fait. À partir du cinquième jour, il rentre se coucher dehors. Lève-toi, on fait, non. Lève-toi, on fait. Hein, gna, gna. Il dit, il tourne sur le lit. Tu es couché à côté de lui. L'esprit te dit, lève-toi, tu peux faire ton lavage. Lève-toi, tu peux faire ton lavage. Tu fais rien. Fais rien à gauche, fais rien à droite. Tu fais rien. Après, tu te retrouves qu'il est 4 heures. Tu n'as plus fait ton lavage. Non. À 4 heures, l'esprit te dit encore que lève-toi, tu peux faire ton lavage du matin. Tu le touches. B. Voilà comment vous faites, vous prenez des décisions, les gens gâtent, les gens cassent votre caractère. Les gens cassent votre caractère. Écoutez bien. L'affaire de caractère, c'est une place. Maintenant, si on influence ton caractère, on te fait casser le tien, c'est parce que toi, tu as permis. Et il y a des engagements que vous devez prendre avec vous-même. Au début, là, laissez les gens, laissez-les. Pourquoi tu mets tout le monde dedans? Tu veux faire le club santé ici, là? Non, on va aller ensemble, bébé. On va aller, hein. What? Parfois, tu fais même, c'est après qu'ils découvrent. Ils disent, ah, pourquoi tu ne m'as pas dit? Tu dis, non, non, non. Je me suis dit, bon, voilà, tu étais un peu occupé. Non, je ne voulais pas te déranger. Je ne voulais pas te déranger. Comme le sport. Quand j'ai toujours su que c'était possible de faire le sport. Moi, quand je grandissais de zéro à... J'ai détesté le sport au lycée. Premier probatoire, BEPC, j'ai détesté. Le bac, même, je ne sais pas comment j'ai fait pour valider le sport. Donc, je suis arrivée à l'âge de 21 ans. 22 ans, j'ai accouché. Je suis tombée sur un livre de développement personnel où on donnait les caractéristiques des gens qui ont du succès. Il y avait le sport dedans. À l'époque, j'étais avec le père de ma fille. Et dans les débuts du développement personnel, c'est là que je mettais tout le club santé. Il disait, non, viens, on va aller courir ensemble, non. Viens, on va aller courir ensemble, non. Non. À cette époque-là, on avait le même poids. Parce que je venais d'accoucher. Et je laissais mon poids comme ça, là. Donc, voilà. Je mangeais. J'avais un ventre assez rond. Chaque jour, je lui dis le matin. OK, à la nuit, en dormant à 22h, on se dit qu'on va aller courir, on va aller courir. 6h, je l'appelle. Je lui dis, je touche. Lève-toi pas à courir, alors. Il se tourne. 7h. On a fait ça pendant même 3 mois. Et souvent, il disait que non, on n'a pas encore acheté les habits du sport. Souvent, il disait que non, il fait froid. Souvent, il y avait toujours un truc qu'il me donnait. Un matin, je me suis levée. Dimanche en plus. J'ai pris la chaussure, je suis allée à la cave. Il y avait un de ses shorts. J'ai pris un de mes t-shirts. Il y avait une chaussure comme ça qu'on avait acheté pour aller au Sunday Market, pour aller au marché du dimanche acheter la marchandise. C'était une tennis, il y avait un peu les crampons en bas comme ça là. Les crampons là permettaient de marcher dans la boue. J'ai dit que même si c'est pas qu'avec les talons, je vais partir courir aujourd'hui. Et j'ai couru, je crois, j'ai fait 4 minutes de course, j'étais fatiguée. Mais le fait que je sois sortie ce matin, je me souviens encore très bien, hein, ça fait environ 12-13 ans. Mais je me souviens encore parce que c'était le premier jour où je suis sortie seule. Et à partir du jour-là, il dit que pour tous les 2-3 jours, je vais aller courir. 2 ans plus tard, pendant 8 ans, je me suis disciplinée sur le sport. Il dit que j'avais les abdos en dessous de ma peau, le genre que quand il reste comme ça, là, je tape comme ça, je sens les abdos dans mon ventre. Je partais fidèlement courir 5 fois par semaine. Seule. C'est pour ça que c'est ceux qui regardent souvent mes anciennes photos. Vous allez voir que j'ai beaucoup de photos où j'étais. On croyait même que j'avais que 19 ans. Alors que j'étais dans 28, 29 ans. Et cette discipline, seulement sur le sport, j'ai pu mettre ça dans tous les autres aspects de ma vie.
On avance les choses plus tard. On a seulement un an d'écart. Mais là, c'est 10, 12 ans plus tard. Il y a des maladies qui commencent à manifester que chez moi, je ne manifeste pas encore. Et parfois, quand j'ai appris ça récemment, je me suis dit, waouh. Je me rappelle quand on commençait encore, quand j'étais encore jeune. Et que je parlais. Après, j'ai pris mon chemin. Et ça revient au livre qui s'appelle l'effet cumulé. Les petites habitudes que tu développes. Ça ne se verra pas la première année, ne te dérange pas. Ça ne se verra pas la deuxième année. Il y a des gens avec lesquels vous avez commencé, ils sont déjà riches depuis 5 ans, depuis 10 ans. Ta part de richesse est en train d'arriver. Et quand ta part va venir, Jesus is Lord, Jesus, 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 Jesus. Allez écouter le livre L'effet cumulé, s'il vous plaît. Ça parle de trois personnes. La première personne ne change rien dans sa vie. Les trois ont le même poids. La deuxième personne a coupé quoi? Un verre de café, je crois qu'il prenait par jour. Il a commencé à écouter 30 minutes de livres de développement personnel par jour. Et il sortait pour faire le sport, je crois. Il faisait aussi du sport. Et la troisième personne a commencé plutôt à boire une petite bière toutes les semaines. Regarder un peu plus le match. Elle va acheter une grosse télé pour se faire du Netflix. On prend les autres, on prend maintenant les trois personnes. Un an plus tard, rien n'a changé. Ils ont le même poids. Un an et demi plus tard, on commence à voir un petit changement. Maintenant, 34 mois plus tard, c'est-à-dire presque 3 ans plus tard, celui qui n'a rien changé, sa vie est toujours la monotone. Il s'ennuie toujours. Celui qui avait diminué des petites choses, il a perdu 15 kilos. Donc 3 ans plus tard, il a perdu 15 kilos. Et il est au top de sa forme. Il a sûrement commencé son business. Et celui qui avait plutôt acheté la télé, avait commencé à boire une bière par semaine, il a pris 15 kilos. Donc maintenant, il y a un écart de 30 kilos entre les deux, après 3 ans. Imaginez si on continue encore sur 5 ans. Celui qui a changé ses petites habitudes, il sera peut-être millionnaire en euros, milliardaire en francs CFA. Et l'autre sera, on ne sait pas dans quelle pauvreté ou bien peut-être endetté. Et avait un gros ventre, avait peut-être une maladie cardiovasculaire. Tout se passe dans ta tête. Parfois, le nom du livre, c'est l'effet cumulé. C'est Darren Hardy. Retiens seulement l'effet cumulé. Tu écris ça sur Google, ça va sortir. Il y en a parmi vous, vous avez lancé vos pages. Même les réseaux sociaux te testeront sur l'effet cumulé. En l'espace de 2 semaines, j'ai eu 5000 abonnés sur YouTube. Le réseau social qui m'a le plus souri rapidement, c'est TikTok. Facebook, j'ai fait la résistance, la bagarre avec Facebook. YouTube, c'était autre chose. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait 5 ans, j'avais 600 abonnés sur YouTube en 5 ans. J'ai ouvert YouTube en 2017. Non, à août 2016 d'ailleurs. 17, 18, 19, 20, 21. 5 ans. J'étais toujours à moins de 1000 abonnés. Et quoi? Yeah. Et c'est pas qu'ils ne mettaient pas les vidéos. Hein. Quand ils pensent à YouTube, vraiment. Je ne sais pas comment les gens qui ont les YouTube qui marchent là faut. Donc à un moment, je m'étais là découragé. Mais ce que j'avais appris sur mes 5 ans de YouTube, je suis venu, j'ai fait transparaître ça sur Facebook. Facebook a pris. Et ça fait 7 mois que j'ai ouvert, 7 ou 8, 8 mois je dirais, que j'ai ouvert TikTok. Je crois que sur TikTok, en 5 mois, j'avais déjà 100 000 abonnés. 100 000. Maintenant, ma page de YouTube, c'est The Gift Digger Academy. The Gift Digger Academy. The Gift Digger Academy. Si vous partez sur le truc de TikTok, vous allez voir ça. Quelqu'un va sûrement venir voir la page TikTok et va dire, oh, ça a marché vite. Waouh, je t'envie. Je dis, mais non. J'ai tellement de vidéos que je vais m'enregistrer. J'enregistre et fini. J'ai passé 3 heures d'enregistrement et pour éditer.
Après, mon téléphone s'éteint, ça bug. Je perds la vidéo. Je reste comme ça, j'ai dit wonderful. Le lendemain, il me lève, je refais encore la vidéo. Parfois, tu finis comme ça, là, ça donne quoi? Tu as 50 vues. Tu as 50 vues, hein? Donc forever. Après, c'est fini. Les gens ne regardent même plus. Bonjour, petit oiseau. Si tu n'apprends pas à être patient sur tes rêves, tu es venu accompagner les gens sur la terre. Parce que c'est fou parce que ça ne se, ça va pas se faire seul. Si tu abandonnes, ok, comme tu as abandonné là, c'est fini, hein? Personne ne va venir prendre pour faire. Supposons ta chaîne que tu avais créée là, tu abandonnes. Ne crois pas qu'un matin tu vas te réveiller, ça aura boomé, on va voir, waouh, 15 000 abonnés. En janvier de cette année, sur YouTube, j'avais 1000 abonnés. On est en décembre, j'ai 15 000 abonnés. Alors que j'ai passé 5 ans avec moins de 1000 abonnés, 500 abonnés. À un moment, ça m'a plus comme ça. Donc, je ne sais pas ce que tu as commencé. Et dans notre société aujourd'hui, les gens ne vous disent pas par quoi ils sont passés. Vous voyez les gens, oh wow, ton mariage est bien, oh my god, ton mari il est tellement beau. Ma chérie, dis-leur la souffrance que tu t'es tapée, le nombre d'heures de prière que tu as tapé, le jeûne, comment tu as jeûné pour que l'homme là soit, il revienne à l'autre. Vous allez sur TikTok, moi j'aime pas regarder tous des amoureux là qui font, oh il t'attend au pied de l'hélicoptère, il te donne les fleurs. Il fait le café, il souffle, il vient, il te donne au lit, tu es en train de dormir. Moi, si je vous vois, je vais demander que quels sont les challenges que vous avez traversés avant d'avoir l'harmonie que vous avez. Comme je vois ton business en train de marcher là, je vois tu fabriques quelque chose, tu en une journée tu te fais 1 million de recettes, 1 million de francs CFA en recettes. Tu as traversé quoi? Parle-moi un peu des états, des époques où tu faisais, personne n'achetait. Elle t'a dit oui, effectivement. J'avais les jours où je faisais la nourriture comme ça, je rentre à la maison, je donne encore mes enfants, on mange le tout nous-mêmes. Je ne vends pas. On va venir voir, tu as 5 grands restaurants à Douala. On va dire waouh, je vais être comme elle. Moi, il va avoir les restaurants que les gens entrent, ils mangent seulement. Non, 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 non. Demandez à la personne qu'elle vous dise. Derrière chaque succès, et je vous dis, même ceux que vous dites qu'ils sont dans la sorcellerie, peut-être vous pensez que c'est facile d'être à la sorcellerie. Tu te couches seulement comme ça, là, on vient, on donne tout. Hein? Demandez, on va vous dire. C'est parce que vous ne savez pas lire entre les lignes. Vous ne savez pas lire entre les lignes. Priez tous les jours, Dieu vous aidera. Hey, Seigneur Jésus-Christ. Pardon. Tapotez le direct, ça va plus bugger. Vous, c'est là que vous venez, tu vas vos faux trucs dans mon direct. Va faire ta page, tu dis aux gens de prier. Tu as compris? Crée ta propre page, tu vas donner des conseils aux gens. Tu dis prier, Dieu va vous aider. Tu as compris, non? Voilà. Fais ta propre page, tu leur dis. Va faire ta page, ciel quelque chose là, va faire ta propre page. Là, ils te bloquent d'abord. C'est ça que vous faites, vous mettez la paresse dans les gens. Ça te lever le matin, tout. Là, dimanche, non. Vous allez partir passer 4 heures de temps à l'église, non. 5 heures de temps à l'église, non. N'est-ce pas? Il faut prier. Comme tu as fait 5 services aujourd'hui là, comme tu as assisté à tous les services, tu es rentré à 17 heures. Dieu va t'écouter. Même le pasteur pour construire l'église là, il doit vous dire comment il a souffert. Il doit vous dire comment au départ, il n'y a même pas 2 personnes qui venaient. Et
il faut qu'il vous dise aussi, se mettez dans la chambre, il finit de prier, il se couche, il dort. Et les gens voient l'église. Il devait sortir, non? Il devait sortir. Et je sais que vous n'aimez pas la vérité. I will tell you the truth, man. Je vais vous dire la vérité. Ça ne te plaît pas, tu te désabonnes très très simplement, facilement. Très facilement. Very simple. Certains parmi vous-même, Dieu vous a déjà dit que en partant à l'église, prépare, fais les beignets, tu pars avec. À la sortie de l'église, tu vends. Je ne vais pas salir mes habits. Si c'est le jour du Seigneur. Tu sais combien d'argent les gens se font le jour du Seigneur? Ça, c'est le jour de pointage des gens. Va voir comment une femme va se vendre 300 plats de tarot aujourd'hui. Te voilà. C'est le jour du Seigneur. Pasteur, si les gens de ton église ne travaillent pas, ils vont payer la dîme avec quoi? Quand tu vas dire qu'ils vont faire un projet dans l'église, là, ils vont faire avec quoi? Ok. Et vous savez, quand on encourage les gens à faciliter, ça leur plaît. Ça leur fait plaisir. Bosse, ma chérie. Bosse. Tu pars à l'église, tu fais un service, tu sors, tu dis que je ne vais pas ouvrir mon magasin. Voilà le monde qui arrive. C'est aujourd'hui que les femmes vont sortir pour acheter les habits de leurs enfants. C'est aujourd'hui qu'ils vont sortir. Voilà, j'ai ouvert. Et quand tu vois quelqu'un à l'argent, la personne la travaille. Quand tu vois quelqu'un à l'argent, c'est parce que tu as la volonté de faire ce que les gens ne veulent pas faire. Il y a les dimanches à Douala, même à Libreville, où tu restes comme ça, tu n'as pas de quoi manger. Tu as l'argent, mais tu ne trouves pas l'endroit où acheter la nourriture. Ce qui fait que le peu de personnes qui ont pris le temps pour aller préparer leur nourriture, mettre en route pour vendre, que ce soit le bouillon, que ce soit le tarot, que ce soit le riz aux tomates, tu vas vendre. J'ai calculé même les entrées des églises là, quand ils sont en train de sortir. Tu vas pointer jusqu'à ce que tu as encore. Eh, Seigneur. Je me rappelle, j'ai eu des amis avant que. J'ai une amie en particulier, elle avait toujours l'argent. Elle avait toujours l'argent. Tu la regardes, elle a toujours l'argent. Parce qu'elle travaillait toujours. Tu la trouves à la maison, elle est en train de, soit en train de tresser, soit en train de faire la nourriture par une commande que quelqu'un a commandé la nourriture. Soit elle est toujours en train de faire quelque chose. C'est comme ça qu'elle a toujours l'argent. Tu ne peux pas venir un problème. Eh, non, non, non. Oui, j'ai envoyé 5 000 $ là-bas pour faire telle chose. Oui, j'ai fait. Et tu dis que tu n'as même pas les papiers, non? Non, non, non. Elle est en train de travailler. Merci d'avoir partagé mon live. Donc vraiment, il faut que. Moi, je suis contre la paresse. C'est pour ça que mes services ne sont pas moins chers. Parce que quand quelqu'un vient, il demande aide-moi. Si tu n'as pas déjà compris que tu dois travailler, je t'en prie, soit tu peux regarder mes vidéos. Ne m'appelle pas. Ne me cherche pas. Je sais que tu es paresseux. J'ai seulement 5 000. Je dis que mamie, une femme de ton âge, 40 ans, tu as seulement 5 000. Elle est venue une fois. Elle vient à Douala me voir. Je lui dis, tu sais faire quoi? Je sais faire les crêpes. Je lui dis, est-ce que tu sais que tu peux rentrer, tu fais ton business de crêpes? Que fais les crêpes, tu viens, je vais acheter. Je vais faire la publicité sur Facebook. Elle parle le lendemain, elle ne vient pas. 2 jours plus tard, j'arrive, on me dit, madame, il y a une femme qui vient avec les crêpes. Elle est assise, elle attend. Il dit que lève-toi, tu partages aux gens, non? Je vois son corps pèse. J'ai dit, yeah, Seigneur Jésus. Le genre de voix, tu es belle comme ça, tu es entretenue. Je dis que c'est un homme qui s'occupe de toi. Et les jeunes femmes ont un truc là aujourd'hui. Pas de vision. Tu attends que c'est l'homme qui vient pour te donner la vision. Pas de travail. Je ne sais rien faire. Pas sur YouTube, ma chérie. La recette de n'importe quel pays, n'importe quoi,
Tu vas trouver sur YouTube. Il y a cela 10 ans, il n'y avait pas. Mais de nos jours, il y a. Si tu es Camerounais, tu vis en Sierra Leone, tu ne connais pas comment préparer la nourriture de la Sierra Leone, va sur YouTube et tu écris. Fais le riz sauté de la Sierra Leone. Nourriture de Sierra Leone. Je ne sais pas quoi. Tu vas trouver quelqu'un qui a fait ça. Tu es en Côte d'Ivoire, tu veux faire la checker. Pas, tu écris à checker en ligne. Tu vois. Tu vois. Tu pars, tu répètes. Après, je te mets dans la rue. Je me suis rendu compte quand je suis arrivé à Abidjan que ceux qui vendent de la nourriture aux gens d'Abidjan, aux Ivoiriens, tapoter sur le truc, ça va arrêter de bugger. Tapoter sur le direct. Ceux qui vendent la nourriture aux Ivoiriens, ce ne sont pas les Ivoiriens. Vous avez les Maliens, les Sénégalais. Même à Libreville, ceux qui vendent la nourriture aux Gabonais, ce ne sont pas les Gabonais. Tu arrives, tu trouves quelqu'un en train de parler de quelque chose, tu viens avec ta part. Je ne veux pas parler de ta part, tu as compris. Je ne te parle pas du pain du riz. J'ai mis plein de vidéos là-dessus. Allez regarder. Ça veut dire que le Malien ou le Sénégalais est arrivé au Gabon. Il s'est rendu compte que, ah, mais les gens, si ils aiment manger telle nourriture. Bon, je ne connais pas faire la nourriture des Gabonais, mais je connais faire le riz. Je connais faire le riz. Le riz sénégalais, là, on appelle ça comment encore là? Ok. Il se met, il commence à préparer. Allez les voir, non? Même le yaourt, là, le yaourt des Maliens, là, ou des Sénégalais. Puis le yaourt, là. Le tchep, voilà. Merci, c'est le nom que je cherchais. Ils font le tchep et ils font le yaourt, là. Pour voir comment les policiers s'alignent. Ils s'alignent ici, là, ils achètent. Ils mangent. Voilà, c'est dimanche, hein. Sont en route dans le quartier où tu es là, tu regardes ceux qui ont ouvert le Dakere. Merci beaucoup, monsieur Ira. Le lait caillé. Ceux qui ont ouvert, ce ne sont pas les Gabonais. Les Gabonais dorment jusqu'à 9 heures. Ils dorment. Toi, tu vas arriver dans leur pays. Et vous connaissez les Camerounais avec le porc braisé, le poisson braisé. Vous connaissez le goût que notre piment a. Tu arrives dans un pays comme ça, tu dors. Il y a même les Somaliens ou c'est les Maliennes ici là, qu'elles portent le. Elles achètent les grands trucs transparents là. Donc elle n'a pas un endroit fixe pour vendre. Elle prépare, elle dépose sur sa tête, elle marche avec. Tu l'arrêtes quelque part, tu la stoppes, elle s'arrête, elle descend, elle met au sol, elle retire, elle met le papier à lui, elle emballe le plastique, elle te donne. Comme les Camerounais, ah, je peux pas faire ça. Il me faut 5 millions pour faire le local. J'ai besoin d'un local. Après, j'ai besoin de gna 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 gna. Vous voilà. Demande à la femme là combien elle se fait par jour. Parfois, elle n'a pas la carte de séjour. Hein. Demande-lui combien elle se fait par jour. Vous allez comprendre que ce n'est pas l'argent qui vous manque. Ce n'est pas les compétences qui vous manquent. Tout Camerounais qui est né au Cameroun, qui a grandi, connaît faire le piment du poisson braisé. Si tu ne connais pas, va sur YouTube, tu écris piment du poisson braisé. Tu écris. Là, Doris qui dit qu'elle vend les crêpes, elle gagne 25 000 chaque fin de semaine. Ça veut dire que par mois, tu as 100 000 en vendant les crêpes. Tu écris piment du poisson braisé. Tu vois comment on fait. Peu importe le pays où tu es, les épices qui montent là, tu vas trouver ça dans le pays là. Fais le piment, hein. Tu mets dans les petits bols là. Mets sur ta tête, tu marches. Tu dis que je vends le piment du poisson. Tu arrives, tu descends ça, tu mets un peu de mayonnaise, tu mets un peu de piment, tu mélanges comme ça là. Tu mets, tu prends, tu fais même le poisson, tu mets à côté. Tu fais la personne goûte. Tu dis que je veux seulement que tu goûtes. Dès que ça touche ta langue là. Tu vas acheter. Et tu prends ton numéro. Tu imprimes ton numéro là. Tu colles sur ça. Quand quelqu'un va goûter ton poisson, sa maison ne pourra plus jamais rester sans ton piment. Sa maison ne pourra plus jamais rester sans ton piment. Riz sauté, oh, il faut le piment. Couscous sauce gombo, oh, il faut le piment. Acheke, oh, il faut que le piment sur ça. Ouais, vous parlez de quoi?
On ne simplifie le business de quelqu'un. Hein. On ne simplifie pas. Hein? Elle porte les fruits sur sa tête, elle marche avec. Non, elle vend le daquiri sur sa tête. Cette personne se fait au moins 10 à 15 000 par jour. Multiplier ça par 5. Ça fait que par semaine, elle se fait au moins 60 000. Multiplier 60 000 fois 4. Elle ne paye pas le local, s'il te plaît. Elle ne paye pas les impôts. Donc, quand vous avez les cousins en Afrique, vous dites, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien à faire ici. Hein. C'est dit. C'est dit. Nya, 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 nya. Portez votre argent, vous l'envoyez. Portez, vous envoyez. Même un homme qui rencontre une femme qui ne fait rien. Tu te mets avec la femme à toi-même, quoi. Tu rencontres une femme. Il faut le savon pour ma peau. Il faut l'huile. Il me marche, il faut tout ça. Pourquoi toi-même, tu ne peux pas acheter? Hein? Tu vas rester, tu vas consommer mon argent. Comme, comme le gars en Allemagne, là, tu es en Afrique. Chaque mois, il t'envoie 500 euros. Tu vis comme une reine. Tu peux prendre les 500 euros là, tu prends une bonne partie. Quand un homme sait qu'il prend sa femme, il envoie l'argent à la femme. Après 2 ans, la femme dit que voilà, j'ai économisé l'argent, j'ai acheté le terrain. J'ai pris l'argent, j'ai investi ici là. L'homme lui-même va savoir que non, j'ai une femme. Il ne peut pas laisser la femme là. Même s'il a 50 femmes qui le poursuivent. Et la sagesse, ça ne dépend pas de ton ethnie. Ah, tu sais, moi, je ne suis pas Bamileke. C'est les Bamileke qui réfléchissent comme ça, là. Non, 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 non. La sagesse est disponible pour tout le monde maintenant. La sagesse est disponible pour tout le monde. C'est là. Mais vous refusez. Voilà mon direct, non. Actuellement, il y a au moins des millions de personnes qui font les directs en ligne. Vous zappez, vous pouvez regarder. Je n'ai pas indexé les Gabonais. Je n'ai pas indexé les Ivoiriens, je n'ai indexé personne. Vous savez vous-même que si je veux lyncher les Camerounais, je vais me mettre sur eux bien même. Je n'indexe personne. La sagesse, c'est le choix. Parce que la sagesse est disponible pour tout le monde. Mais généralement, vous-même, vous avez refusé la sagesse. Vous-même, vous avez refusé la sagesse. Les charges, vous savez, voilà quelqu'un qui a dit que ça dépend des charges. J'aime les charges. Quelqu'un qui n'a pas de charges, ce n'est pas bon pour ta santé. Quand je vois une jeune fille, elle me dit, je vis chez ma mère. Premier point rouge. Quand tu as une charge, tu ne peux pas te coucher, tu dors n'importe comment. Attends un peu ma chérie, tu vas dormir, on va te dire à la fin du mois il faut payer 100 000 francs de loyer. Seulement les bourdonnements des oreilles que le bailleur va te faire là. Ma chérie, tu dors que tu dors quoi? Tu dors que tu dors quoi? Il y a les hommes que je rencontre, l'homme n'a aucun... Mais hey, Jesus is Lord. L'homme n'a aucune responsabilité. Il dort chez son oncle. Un homme de 29 ans. Moi, l'oncle, je te chasse de la maison. I kick you out. I kick you out. Depuis que j'ai 22 ans, je ne dors chez personne. Je paie moi-même mon loyer. Parfois, tu restes, tu as tes enfants en charge. Les charges t'empêchent de dormir. Tu as bien dit ça, Kane Audrey. Ça te fait réfléchir. Voilà dimanche matin, non. Ceux qui ont les responsabilités sont dos en train de chercher ce qu'ils vont faire. Ceux qui n'ont pas de responsabilités sont couchés devant la télé. Sont couchés dans le lit. Et c'est même encore bien quand tes charges ont commencé tôt. Parce que tu t'habitues. Chaque mois, je dois payer mon loyer. Chaque mois, quand tu emploies déjà une personne, je dois payer mon employé avant de me payer. Chaque mois, je dois peut-être m'assurer que la grand-mère a mangé. Ou ma mère, ou mon père. Je sais que c'est ce que vous utilisez comme excuse. Il y a les gens qui sont au marché en train de vendre à l'instant que tu parles là. Elle est au marché en train de vendre.
Marché de Bonamou, ça dit entre vendre. Bonjour, ma reine Kems, comment tu vas? Il y a des gens qui sont au marché, en train de, ils sont devant leurs tomates, en train de vendre. Avec les mains sales là. Les bains salam. Parce qu'elle sait que demain, il faut que les enfants mangent pour aller à l'école. Il y a les responsabilités à porter les bonnes réflexions, pas les mauvaises réflexions. Que personne ne veut m'aider. Personne ne veut m'aider. Non, 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 non. Ok, je dois faire comment? D'accord, il y a la mère. Ok, je dois. Il y a ma petite soeur. Je ne peux pas quand même laisser ma petite soeur. Même quand tu arrives en bain, tu as les charges. Tu te donnes pour l'objectif que dans 2 ans, mon frère doit venir ici. Pour faire ses papiers, j'ai besoin de 5000 euros. Ça veut dire que je dois économiser. Ah, au Burkina, c'est difficile de quitter la maison tant que tu n'es pas marié. Peu importe ton âge. Jesus is Lord. C'est la mentalité qui vous bloque. Hey, ya, 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 ya. Pas une femme de 35 ans à la maison. Il dit que depuis que j'ai fait. Effectivement, je suis partie de la maison. Je suis plus sous la responsabilité de quelqu'un depuis que j'ai 21 ans. Et c'est à 22 ans quand je me suis séparée du père de ma fille. On m'a dit que c'est là que moi-même alors je devais chercher comment manger. Et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Quand je vois quelqu'un. Quand il voit quelqu'un qui n'a. Genre. Tu as 30 ans, tu es un homme. Tu n'as même pas. Donc tu ne penses même pas envoyer 5000 à ta mère par mois. Et il y a un degré que ta mère n'a pas besoin de te demander l'argent pour que tu donnes. Écoutez bien. Je sais que c'est. Oh non, c'est quand j'aurai l'argent, maman. Tu as 40 ans, tu sais que c'est quand tu auras l'argent. Il y a certaines charges que tu ne dois pas attendre le bon moment. Tu crées ça. Ok. Je dois maintenant, j'ai ma mère, j'ai mon père. J'ai encore la grand-mère qui est vivante. Le grand-père est à mort. D'accord. Chaque mois, je mets le budget. Comme la grand-mère au village, je pense que 25 000, ça va aller. Maman, papa, ils ont déjà leur propre revenu. L'argent que tu leur donnes, c'est pour attirer tes bénédictions et c'est aussi, c'est symbolique. Parce que certains parmi nous, nos parents ont déjà leur argent. Moi, par exemple, mon père, il n'a pas besoin de quelque chose de ma part. Au contraire, c'est lui qui. Il a tellement de personnes qui supportent. Mais par moi, je dois faire l'effort de dire que non, il y a mon père que je dois le mettre dans mon budget. Parce qu'il y en a qui disent non, c'est quand il va avoir l'enfant. C'est quand je vais accoucher que je vais voir. C'est quand je vais. Non, non, non. Non, n'attends pas. Quand il voit peut-être un gars de 22 ans ou 23 ans, il me dit voilà, c'est moi qui fais ça pour ma mère. Tu vois, je sais pas, ça te rend un peu cute, you know. Ça te rend un peu beau. Ça te rend beau. Et donc, je dois aider ma mère à payer son loyer. J'ai dit, waouh. Il y a quelque chose. C'est... Il dit, non, je dois payer la scolarité de ma petite soeur. Je dois... Tu dis, waouh. Un homme qui... Waouh. Il dit, non, je ne veux pas que ma fille, ma soeur, parte faire la prostitution parce que... Non, 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 non. Il y a ce truc-là. Voilà. J'espère que vous avez entendu. Et parfois, quand tu es en Europe, tu peux te perdre, tu oublies un peu tes parents. Ça m'est arrivé. Parce qu'ils sont loin du vide. On dit loin des yeux. Hein. Donc, du coup, tu ne penses pas qu'il y a ce truc immédiat-là. Certains parmi vous, vos grands-parents sont très malades. Si vous pouvez, prenez une nounou ou bien quelqu'un qui va s'occuper à temps plein de la maman. Je prends peut-être une ménagère qui va rester par mois avec la mère, juste pour s'assurer qu'elle mange bien, si elle veut faire ses petits mouvements, on la porte, on la met peut-être aux toilettes et tout comme ça là. Parce que parfois, vous avez l'argent, vous faites les statuts tous les jours, et la personne sait que ta grand-mère, elle souffre. C'est pas très, très... Je sais pas. Et le truc, c'est que quand tu prends les responsabilités en main, ton argent augmente. Je sais que les gens vont se dire... Non, si je donne, mon argent va finir. Bonjour, espoir, et merci pour tes cadeaux. Quand tu prends tes responsabilités en main, l'argent augmente. Voilà Noël. Peut-être souvent dans les Noëls, tu t'occupes de 3 enfants. Monte à 10 enfants ce Noël-ci-là. Tu vas voir comment ton magasin va vendre jusqu'à
Tu as dit que mince, le chiffre d'affaires du mois, ça fait commenter. Tu envoies encore l'argent même pour 10 enfants. Après, tu augmentes encore 5 sur ça. Dès que tu donnes, tu vois comment ça entre encore. S'il vous plaît, confirmez ce que je suis. Ça, c'est un principe spirituel. Ça, c'est un principe spirituel. Plus tu aides, plus toi-même. Et ce n'est pas parce que tu as aidé par telle personne que ton aide va venir par là. Tu peux aider par là et puis un business que tu avais qui est bloqué depuis 6 mois, ça se débloque. Tu donnes 200 000 à quelqu'un, à une maman qui a peut-être 5 enfants, tu te retrouves qu'un business de 5 millions se débloque. C'est vrai que c'est fou, mais c'est comme ça. Ok. J'espère que ça va vous permettre de sortir pour aller chercher. L'argent est là dehors. Il y a l'argent dehors. Fais tes directs, tu montes tes produits aux gens. N'aie pas honte. Quand on cherche l'argent, on n'a pas honte. Ce sont les Camerounais qui m'ont... Les Camerounaises, mon frère. Quand une femme Camerounaise cherche l'argent. Camerounaise, malienne. Quand elle cherche l'argent. Moi, les Sénégalais aussi. Certains Sénégalais que j'ai vus. Quand elle cherche son argent. Eh, hey, pardon. Non. Émilie, j'ai parlé beaucoup de ça cette semaine. J'ai parlé beaucoup de finances cette semaine. Et on ne fait pas de l'aide une pression. J'ai des gens que quand je veux aider, j'aide parce qu'ils veulent. Je n'aide pas parce que tu m'as demandé. Et d'ailleurs, quand tu me demandes, ils ne donnent pas. Ça, c'est un truc qui c'est un peu bizarre avec moi. Tu viens me demander, ils ne donnent pas. Ça te demande toujours, Saint-Esprit, où est-ce que je dois, qui est-ce qui a besoin d'aide, où est-ce que je dois diriger mon aide. C'est dès que tu vas me demander, je vois cet esprit de manque, cet esprit de je n'ai pas, tu as, donne-moi alors. Je n'ai pas, tu as, donne-moi alors. Tu as, tu ne me donnes pas, pourquoi? Je n'aime pas ça. Ne me fais pas me sentir mal sur mon argent, c'est mon argent. Mon âme. Mm-hmm. Ne me force pas, c'est mon âme. Hmm? Souvent, quelqu'un reste avec toi, il voit comment tu aides quelqu'un. Il dit, ah, donc elle est facile à aider. Hein? Le lendemain, il vient avec un problème te présenter. Moi, Jesus. Mm-mm. Je veux dire que j'ai compris. Ok, j'ai compris. Le lendemain, tu vois, j'aide encore quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas l'obligation sur ça. Il n'y a pas l'obligation. Donc, c'est à vous de comprendre et de faire. Donc, comme j'ai précisé tout à l'heure, l'argent est là dehors. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de demander, d'offrir vos services, de parler de vos services. La pire des choses que quelqu'un puisse te faire ou te dire, c'est non. Et c'est tout. Au Gabon, même briser le maïs donne l'argent. Il y a une dame ici là qui vend souvent le maïs de soir. Un maïs là-bas, c'est 300. Hein. Pas les trucs du pays que le maïs, c'est 100 francs là. Une prune, c'est 100 francs. Une petite prune comme ça là, 100 francs. Il dit, yes, ça. Donc tu as dû d'arrêter devant elle, tu dépenses au moins 400. Au moins 400. Elle fait le maïs, elle a déposé son petit truc qu'elle a acheté au marché comme ça là, elle a mis un peu le charbon au-dessus. Elle prend son truc, elle fait comme ça là. Mais combien d'argent elle va se faire là-bas le soir? Ah oui, Dieu m'a montré ça. Il m'avait montré le business là. Mais tu vois, moi je me suis dit, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de toi, hein? Qu'est-ce que les gens disent de toi quand tu n'as pas l'argent? Merci pour le cœur, Adana. Quand tu es là comme ça, tu n'as pas l'argent depuis. Qu'est-ce que les gens t'ont dit? Hein? Est-ce que quelqu'un t'a appelé pour dire les enfants ont mangé? Voilà dimanche, non? Eh, maman, tu vas me faire comment pour les fêtes pour les enfants? Bon, voilà, prends ça. Pourquoi tu veux t'inquiéter de ce que les gens vont penser? Tu cherches ton argent. Je dis toujours, si tu es un dragueur et que tu ne me dragues pas parce que tu me vois en train de vendre ma chose, car tu n'étais pas mon gars.
Tu n'étais pas ma part de garde. Pardon, passe seulement ton chemin. Passe. You were not my person. You were not my personal person. Donc, faut faire attention. Vous souvenez, vous faites ce chantage-là. Non, tu n'étais pas ma personne, laisse-moi. Maintenant, quand tu vends ou quand tu fais ton business, le but, c'est de toujours évoluer. 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 Peut-être si je vends aujourd'hui, je vends à la sauvette. Pendant que je vends à la sauvette, je cotise l'argent. J'embauche encore 2-3 femmes qui vendent à la sauvette. Oui, je suis au Gabon. Le numéro du Gabon, je vais vous le donner. Je vais vous donner les numéros tout à l'heure. J'embauche encore même 2-3 femmes. Elles vendent à la sauvette pour moi. Après, pendant ce temps, je cotise encore l'argent. Je cotise l'argent. Donc, quand tu commences, tu ne peux pas faire 4 ans à vendre le maïs en bordure de route. Je veux vraiment que vous compreniez la différence entre quelqu'un qui a la vision et quelqu'un qui n'a pas. Pendant que tu commences, je peux vous prendre n'importe quel business, même la vente du poisson braisé. Un jour, dans un de mes directs, je détaille comment tu peux vendre le poisson braisé. Après, tu commences à avoir ton restaurant. Après, tu multiplies ton restaurant. Après, tu construis même un autre immeuble. Donc, le numéro du Gabon, c'est le 0747 39 179. Non, 0747 39 179. Ça, c'est pour le Gabon. Pour le Cameroun, c'est le plus 237 680 71 0701. Plus 237 680 71 0701. Ceux qui sont sur Facebook, les numéros sont en haut de la page. Je ne vous contacterai pas pour vous dire que j'ai vu quelque chose chez vous. Je vais vous contacter pour vous dire m'envoyer l'argent au Burkina. Non. Cherchez le numéro sur la page, vous nous contactez si vous voulez un de nos services. Si vous voulez un kit, si vous voulez le lavage à distance, si vous voulez une consultation. Les numéros sont sur la page. Voilà. Il y a les fonds qu'on cotise pour l'orphelinat Cœur de Jésus. Donc on ira à l'orphelinat le 20 décembre pour leur donner ce qu'on a cotisé. On est déjà à 700 000 francs qu'on a cotisé. On va remettre aux orphelins. Donc, je déclare que tous ceux qui ont donné pour cette cagnotte, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur mette encore plus dans votre poche et qu'il mette la protection sur vous. Donc, on est déjà à 700 000 francs. Le montant exact, je crois qu'avant, on était à 650, hier on était à 700 et quelques. Donc, je vous donnerai le montant peut-être demain ou après-demain. Je vais voir avec le comptable. Donc, l'argent qu'on aura cotisé, on va aller le 20 décembre pour donner à l'orphelinat. Même si c'est 5 000 que tu as, tu donnes. Et quand j'irai là-bas, ceux qui veulent aller avec moi à Douala, on ira le 20 décembre à l'orphelinat Cœur de Jésus. Donc, le numéro du Gabon, c'est le 0747. Donc, 074 7 39 179. Et moi du Cameroun, plus 237 680 71 07 01. Olga Kessler, tu connais comment envoyer de l'argent au Cameroun. Prends le numéro sur la page, tu envoies. Il y a aussi PayPal, vous faites le don PayPal, vous faites la capture d'écran. Vous envoyez, vous dites que ça c'est pour l'orphelinat. Ou bien dans le mot de PayPal, vous dites don pour l'orphelinat. Le PayPal c'est Aurélie Michel 2017@gmail.com. Aurélie Michel 2017. Donc AUREELIMICHELLE. Donc Aurélie Michel 2017@gmail.com. Ça c'est pour PayPal. Voilà. Et puis si vous ne voulez pas avec l'orphelinat, si, cherchez quelqu'un que vous allez aider. Vous avez les oncles, les tantes, tout le monde dans votre village. Envoyez même 100 000 francs à votre oncle. Vous lui demandez d'aller acheter les poupées avec les voitures. Il va partager ça aux enfants au village.
Et vous oubliez un peu vos propres problèmes. Vous aimez trop ça. Ouais, j'ai mon problème. J'ai. Vous aimez trop ça. Tous les jours, il faut qu'on parle de vos problèmes. C'est toujours toi. Merci, coach Cello. Toi. Oublie-toi un peu. Pense aussi à quelqu'un. La vie ne tourne pas autour de toi. Tous les jours, toi. Aide-moi. Va chercher quelqu'un, tu aides aussi. Tu fais plaisir à un enfant. Tu as une robe Isaura à 3-4 petites filles là-bas. Le jour où elle porte ça, elle se filme. Comme au Cameroun, la coutume, c'est de se filmer à côté de la voie. J'ai regardé ça le Noël passé, j'ai dit, mais attendez un peu. On fait les photographes ont ce truc-là qui mettent les affiches de derrière là. Et j'ai dit, Seigneur. Ouais, Seigneur. Oh non, j'ai que. Et quand on était petit, on aimait ça jusqu'à. Tu fais, tu mets les lunettes, tu prends ta poupée, tu arrêtes ta poupée en main comme ça là. Ah. Olga Kessler, c'est sur cette vidéo. Va regarder sur cette vidéo, s'il te plaît. Tu as compris? Parce que ce qui m'énerve sur vous souvent, c'est que vous ne faites pas souvent l'effort. Olga, tu me suis depuis au moins 6 mois. Cliquez sur une de mes vidéos, clique et regardez l'adresse et relevez ça. Ça te dépasse comment, mamie? Parce que parfois vous pensez que comme moi, c'est moi qui demande l'argent, je vais encore courir derrière vous. L'argent que vous me donnez là, c'est pour votre propre bénédiction. Donc faites aussi quand même un peu l'effort. Chaque vidéo que je fais sur Facebook, il y a les détails bancaires, tout ça est en haut de la vidéo. Mais les gens se font toujours arnaquer parce qu'on vient de donner un mauvais numéro en inbox. Donc faites quand même l'effort, je vous en prie. Parfois, tu pars aider quelqu'un, tu cours encore derrière la personne jusqu'à. Parce que tu sais que ma bénédiction se trouve derrière l'orphelin là. Une dame l'autre jour, elle devait partir à l'orphelinat, cœur de Jésus. Le chauffeur, déjà, elle écrivait la dame de l'orphelinat, elle était à l'église avec les enfants le jour là. Donc, il y a un truc qu'elle faisait à l'église. Ça a pris du temps. Ce qui fait qu'elle n'a pas répondu. Elle ne répondait pas. Finalement, elle répond un peu tard. Celle qui devait venir là-bas prendre la moto. Au lieu de la déposer en Bangui. Le moto tassement pas la déposer à New Bell. Vous imaginez? Elle a encore quitté le New Bell, elle a encore pris la moto. Il a traversé encore toute la ville pour venir la déposer à Mbangue. Il dit que heureusement que toi-même là, tu étais engagé. Parfois, il y a ta bénédiction quelque part. Toi, tu dois courir derrière la bénédiction là. Oui. Toi, tu dois courir derrière. À bon entendeur. Saluons-nous. Saluons-les. Garance, tu dis que c'est la paresse. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, c'est là. Tout dans la vie, c'est le travail. Tout, c'est le travail. Tout sort, tu travailles. Même si au début, ça ne donne pas. Quand ton âme va commencer à tomber, toi-même, tu vas dire. Les gens vont commencer à te regarder que tu fais la sorcellerie. Traitez-moi de sorcier, m'en fous. Il m'en fout. Quand il souffrait, il marchait sous le froid pour vendre la marchandise. Mes mains me faisaient mal. Personne ne voyait. Maintenant, quand on va voir. Je restais à 3h du matin pour écouter les livres audio. Comment je vais parler, comment je vais vendre, comment je vais marcher, comment je vais faire ceci. Personne n'était avec moi. Aujourd'hui, quand je parle bien, ça me donne l'argent. Ah non. Tu exagères, tu fais escroquer les gens. Non! Tu dois avoir ta vision de là où tu es en train de partir. Les gens font n'importe comment. Tu dis que je sais. I know what I'm doing. I know where I'm going. À ton temps, ça va commencer à donner. Jusqu'à toi-même, tu vas avec ça. Tu vas dire que mince. Ce que j'ai vu il y a 8 ans, là, ça commence à donner maintenant. 8 ans plus tard. Parce que toute vision va te tester. Tout rêve que tu as va te tester. You will be tested. Don't worry. Elle dit qu'elle veut ça. Voyons alors si elle veut vraiment. Voyons.
Né pour impacter, je vais bien, je me porte comme un charme, je me porte comme le soleil dans le ciel. Je brille toujours, même s'il y a des nuages, je brille toujours. Les nuages ne m'empêchent pas de briller. Thank you very much. Oh, Garance, comme tu parles bien. Que ceux qui se font arnaquer sont paresseux. Ils ne cherchent pas à m'écouter, mais ils préfèrent les chants de sirène. Et quand j'ai lu les conversations de ces arnaqueurs-là avec des gens qui me suivaient. Oh, ma chérie, j'ai regardé ta situation. Il y a encore un travail que tu dois faire. Tu es bloqué. Hein? Et la chose que les arnaqueurs là, leur disent, je dis, mais attends un peu. Moi, je ne parle pas comme ça. Moi, je ne parle pas comme ça. Je te poursuis pour que tu me donnes l'argent. I attract, I don't chase. J'attire l'argent. Je ne poursuis pas l'argent. Donc, si quelqu'un, même dans le rêve, si tu rêves que je suis en train de te poursuivre, que donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Non, réveille-toi. C'est que ce n'était pas moi. C'est quelqu'un qui a pris mon visage. Ma chérie, j'ai vu quelque chose sur toi. Hein. J'ai vu. Hey, tu es bloqué jusqu'à. Vous savez que moi là, moi. No way. Je vais te dire que tu es bloqué. Et vous savez que ces faux charlatans là, quand ils vont vous dire que vous êtes bloqué, ils ne vont jamais vous donner la solution de votre blocage. Ils ne vont jamais te dire que, effectivement, ok, comme tu es bloqué, fais comme ça, comme ça, comme ça. Non, non, non. On s'est commencé à paniquer. Hey, il faut qu'elle fasse quoi? Dis-moi, je dois faire quoi? Non, ma chérie, je vais t'envoyer un savon. Ça va attirer ton mari. Ça va te débloquer. Ça va te donner l'argent. Un savon. Un savon. Tu crois? Tu crois? Ma chérie, je vais t'envoyer le savon. Un savon de 25 000. Surtout que quand les anacoles m'écoutent souvent, elles me disent Wanda. Je vous salue les Burkinabés et les Béninois. Un savon. Ça va appeler ton mari. Ça va te donner le visa. Ça va te donner le boulot. Ça... Eh! Jesus. Pardon, laissez. Vous-même là. Hein? Allez, on vous en a. Vous n'aimez pas. Allez. Ce que j'ai déjà consulté, vous-même, vous savez, non. Je ne donne pas le lait. Elle ne te donne pas le lait. Même pas. Les ma chérie. Je vais dire, hey, ma chérie. Bonjour ma chérie, comment va la famille? Oui. Parce que vous ne m'écoutez même pas d'abord. Vous ne m'écoutez pas. Pardon. Écoutez, moi je crois à l'indépendance spirituelle. Je crois. On n'est pas censé dépendre de quelqu'un. C'est pour ça que écoutez bien mes vidéos. Je te montre comment toi-même tu vas faire ton travail. Afin qu'il te dise que non, j'ai déjà tout fait, c'est déjà fait. Ne te dérange pas, j'ai déjà tout fait pour toi. Hein? Hein? Moi, je fais. Moi, je fais pour toi. Bon, couche-toi alors, le matin, tu vas avoir l'argent sur ton oreiller. Ma chérie, le travail est déjà fait. Demain, ton gars va t'appeler, il va te faire le visa, tu vas venir en Europe. Après demain, tous les témoignages que vous voyez, je mets sur ma page. La personne te dit toujours, vous avez vu dans le témoignage que je suis rentré, j'ai fait comme ça là. La reine m'a donné ceci, je suis parti, j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça, ça a donné ça. Je veux que le pouvoir vienne dans votre main. Arrêtez de donner votre pouvoir aux gens. L'Africain aime ça. Je m'assois, je ne fais rien. Do nothing and you have everything. Quelqu'un m'écrit l'autre fois, je veux le boulot. J'ai dit, tu as déposé ton CV où? Non, je n'ai pas encore déposé. J'ai dit, wonderful. Wonderful. Va déposer d'abord ton CV. Avant de partir, lave-toi. Seigneur, comme je sors pour aller déposer mes CV là, je déclare que mon nom va passer en premier dans la liste. Je déclare que mes portes sont ouvertes. Tu sors maintenant, tu pars, tu te balades, tu déposes, tu déposes, tu déposes, tu déposes, tu déposes. Vous aimez ça? Madame, oui, notre patron a eu un rêve dans la nuit. Il a vu votre numéro de téléphone dans son rêve. Et voilà, nous vous appelons pour vous proposer la position de directrice d'agence. Est-ce que vous pouvez venir? Voilà, le poste est à vous, madame. Écoutez, si moi-même je ne me levais pas pour faire les vidéos, tu allais me voir comment? Hein?
Pourquoi dans ton rêve, je n'ai pas apparu? Pour te donner mon numéro de téléphone dans le rêve. Non, dites-moi. Je vous dis chaque jour, allez créer vos pages. Faites vos vidéos. Bah, c'est comme ça que vos clients vont vous trouver. Non, je veux vendre. Je veux vendre à beaucoup de clients. Je veux. Tu as une page. Tu as. C'est qui a fait mes ongles, c'est la dernière fois à Douala. Bonjour petit oiseau, tu bagarres avec qui? Hein? Bon, excusez-moi. La femme qui a fait mes ongles l'autre fois. Je lui demande, est-ce que tu as une page où je vais te dire à mes abonnés que regardez comment elle a fait mes ongles. Tu as une page? Elle fait un. Je dis, va créer d'abord la page. Fais des cartes de visite. Arrêtez d'attendre le miracle, s'il vous plaît. Arrêtez. Même si ça existe, je refuse, je ne choisis pas la voie du miracle pour vous. Ce n'est pas chez moi que vous allez trouver ça. Ce n'est pas chez moi qu'il y aura ça. Bon. On a tout dit. Vous avez tout compris. Formation mission de vie, c'est disponible en janvier. Ceux qui veulent découvrir leur mission de vie. Actuellement, on est en train de faire la formation spirituelle. Il y a beaucoup de formations que j'ai mis en stand-by pour le moment. Mes formations mission de vie, elle sera préenregistrée. Donc, vous pouvez regarder à votre rythme. Ok. Vous passez une bonne journée. The Lord bless you and keep you. May his face shine upon you and be gracious to you. Ok. Garance. Que le visage du Seigneur brille sur vous. Que sa grâce vous accompagne. Qu'aujourd'hui vous vous leviez. Levez-vous dans votre tête. Levez-vous physiquement. Et allez saisir ce que le Seigneur vous a donné. J'enlève la paresse de votre esprit aujourd'hui. Que tous les mensonges qu'on a déposés, des mensonges générationnels que vous avez depuis des années, venant de vos pères, venant de vos mères, que ça tombe au nom puissant de Jésus. Merci pour les roses, ma chérie. Toi qui viens d'arriver là. Je mets sur vous la grâce. Je déclare que vos efforts... Vous savez, c'est facile pour Dieu de venir récompenser quelque chose qui est déjà là. Une page qui existe déjà. On te voit et puis ça boum. Un service qui est déjà disponible au public. Donc que le Seigneur vous permette aujourd'hui de pouvoir façonner des services. Que les idées que vous aviez, vous puissiez commencer à les concrétiser. N'attendez pas. Commencez à écrire vos livres ou bien finissez les livres que vous avez commencés. N'abandonnez pas. Même si vous êtes tombé, même si hier nuit vous êtes encore tombé, vous avez encore échoué, levez-vous encore aujourd'hui. Recevez la grâce pour vous lever aujourd'hui. Et pardonnez-vous de vos erreurs, pardonnez-vous de vos échecs. Parce que dès que vous vous pardonnez, personne ne peut plus vous accuser, personne ne peut plus vous condamner. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Que la lumière du Christ brille sur vous aujourd'hui. Ceux qui avaient abandonné le sport, que vous trouvez le courage, même si c'est à 11h, partez courir. Ceux qui avaient abandonné, reprenez, peu importe l'heure. Même si c'est à 3h, levez-vous, faites des abdos à la maison. Et que ça construise votre confiance, petit à petit. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Bonne journée. The Lord bless you and keep you. May his face shine upon you and be gracious to you. Oh, I love this song. Amen. 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 Amen.
May his favor be upon you in a thousand generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May his favor be upon you in a thousand generations, and your children, and your children, and your children, and your children. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Bonjour. Au revoir, Mariama. Comment tu vas? May his face shine upon you and be gracious to you. Que la joie soit votre portion aujourd'hui. Que la joie soit votre portion jusqu'à là. Mais elle a bu quoi, non? J'ai bu la joie. I bu de joie.